Bonjour à tous et à toutes, c'est Ichigo-kun pour vous parler de l'épisode 6 de Resident Evil 5. J'espère que vous allez bien, moi je vais super super bien. Donc, deux super super. Donc, nous continuons, bien sûr, nous allons terminer avec une belle cinématique en 2-9, en 2-3. Maintenant, nous allons faire 3-1 pour les marées. Donc, on commence au niveau facile ou en normal. Donc, acheter des trucs nouveaux, mais... Pardon, j'ai acheté déjà ce qu'il me fallait, j'ai tout ce qui est disponible et on n'a plus qu'à Ego. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Edward Ashford, cinquième chef de la famille Ashford, se lance dans les ses recherches aboutiront par la suite de du virus progénitor. Donc j'ai regardé les épisodes d'ailleurs de... Enfin les Resident Evil, j'ai vu tous les Resident Evil en un jour je crois. J'ai voulu me les faire, les 4 Resident Evil. Bon, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'arrive à ta partenaire? Avec Jill, on poursuivait un homme appelé Albert Wesker. Wesker. Il occupait un poste important chez Umbrella et dirigeait notre unité. Il est revenu de Rockford après. Rockford. Ça fend dans la broche. Non, je déconne. On lui a donc rendu visite en espérant, ouais. Zero. Wesker. C'est comme dans Resident Evil 4, le gars il avait des pouvoirs, il pouvait se téléporter, aller plus vite et tout, esquiver les balles. Génétiquement modifié, là on peut dire que c'est un OGM. À la fin, on doit le battre en fait avec le lance-roquette. Sauf qu'il veut pas tout esquiver, hein, toutes les balles. Il est trop fort, sérieux. Elle s'est sacrifiée pour sauver son cher aimé coéquipier. Le corps de Jill n'a jamais été retrouvé, on l'a présumée morte. La femme sur la photo lui ressemblait. Je dois savoir si elle est encore en vie. Vous étiez proches. On y était partenaires. Et toi, pourquoi avoir intégré le BSIA? Mes parents ont été victimes d'un accident causé par une entreprise pharmaceutique. Umbrella? Ouais. Oui. Plus tard, j'ai su que l'accident couvrait la fabrication d'armes biologiques terroristes. La fréquence servait de laboratoire d'essai. Quelle bande d'enfoirés. Les parents sont morts à cause des armes biologiques. Quelqu'un doit payer. Donc tu as rejoint le BSAA. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Même le super et les super-héros comme toi, Chris. Je ne suis pas un super-héros. Je suis le dieu. Je suis le maître du monde. Je ne suis pas un super-héros. Rangeons nos frères disparus. Combine-toi. On y va. Ok, bref. Les marées. On continue sur un niveau qui est assez long, hein, sur ce niveau-là. Assez long, je trouve. Hein, je crois que je pense que j'essaierai d'aller vite. Mais ce niveau-là, chapitre 3-1. Il sera très très long ce niveau par contre. Il faut que je récupère 3 les lumières. Voilà, il faut que je récupère toutes les tablettes. Ouah, wow, ça, on fait genre on lit, mais on lit pas. Hop là. Laissez-moi me réhabituer sur les touches.
Ouais, je me fais un peu de munitions. Un peu de rubis. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Attendez, la carte, elle est là. Ok. Voilà, vous voyez l'objectif? Il est tout au fond là-bas, en fait. Faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, et pour ça, il faut qu'on monte dans l'appareil. En fait, l'objectif, si vous restez des fois coincé ici, l'objectif de rester ici, en fait, c'est le fait que pour pouvoir what the fuck. C'est pour trouver le morceau, pour savoir l'objectif. En fait, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer par là parce que je crois qu'il me semble qu'ici il y a un fragment. Il faut qu'on retrouve tous les fragments. Et tous les fragments, ils sont sur la côte. Et le dernier point, en fait, c'est là où il faut qu'on aille en dernier pour ouvrir la porte. Si je me trompe pas, l'entrée est par là, si je me trompe pas. Ouais, comment on fait? Voilà, c'est ici. Par contre, il faut bien qu'on se place et tout pour qu'on appuie sur rond pour descendre. Ouais, descendre, carré. C'est super saoulant, je vous jure, c'est grave saoulant. Donc, ouais, les boutons, je m'en sors plus. Voilà. Je n'ai que 5 munitions, 5 balles. Bon, dégueulasse. Je vais essayer de faire le... d'économiser le plus de munitions parce que j'en ai vraiment besoin des munitions. Pas de l'or, j'ai besoin bon, de sushi. J'ai besoin de munitions. Bon. Ouais. Ouvrir. Voilà, ça c'est vraiment pour sortir de. Bon, là j'ai pris cher. Je vois plus où c'est. Bon, je cherche. Il me semble que c'est vers là-bas. Ouais, c'est tout au fond, ouais. Qu'on trouve finalement là. La plante. Enfin la plante. Je sais plus trop comment elle s'appelle. C'est trop zerbi ces personnages là. Oh putain. Gars, tranquille, il vient vers toi. Happy birthday! Il faut que je trouve la pierre. Elle doit être quelque part par là. Ouais, attendez. Je sais plus trop où aller. La pierre, elle est où? J'avais trop envie. Faut pas que je perde de temps avec ces zombies. Bon, je vais tester là. Ah ouais, c'est bon, elle est là. Voilà, et maintenant, il faut que je rentre à la maison. On va faire genre, on a rien vu. Il n'y a pas d'ennemis. Bon, après le retour, c'est simple. Hein. Ça, je sais le trouver, le retour, ça. Il y a tout le monde qui peut comprendre le retour. Tant que c'est pour se sauver. Allez, viens chez vous. Elle use ses balles pour rien.
Ici c'était l'endroit le plus dur. Bon là, un endroit super chiant qui demande beaucoup de munitions. Attention. Et là c'est elle qui doit s'en occuper. Et dès qu'elle a plus de munitions, on est mort. Voilà. Voilà, on a plus de munitions. Comment faisons-nous? Voilà. Ils sont sympas. Ok, on est gros, on continue. Vous avez vu, les zombies sont sous le truc. Voilà. On va écraser les zombies, sérieux. Bon, après, les endroits dont on doit aller encore, c'est... Bon, déjà, c'est pas là. À part si on va faire connaissance avec le mur. Ah, il y a Shams, dédicace à toi. Ok, on a encore deux endroits à faire. Ou trois. Voilà. Normalement, ce sera la fin de l'épisode, normalement, juste après. C'est la fin. Oui. Ouh là 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 là. Les marécages. Dans les marécages, en fait, c'est il y a des crocodiles. Oh, oui. Les crocos. Non, des alligators, on va rester adultes au lieu de faire. Et les crocodiles. Voilà. Et il me semble qu'il n'y a pas de zombies ici. Avec des crocos. C'est... Ok, j'aurais dû la fermer. Où est-elle? Bon, maintenant il reste plus que des munitions de sniper pour éliminer ces couillons. Et là. Voilà des munitions. Come on, Roger. Take it. Okay. Take it. Roger. Voilà. You grab it. Thanks. I need ammo. Use this. Voilà. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me concentrer parce que là, j'ai plus trop de munitions. Et c'est maintenant que j'ai plus de munitions, je vais faire comment après pour pouvoir éliminer les ennemis. Je suis en train de me poser des questions là, que comment je vais faire quand je vais me battre contre tout le monde. Je suis en train de vraiment me poser une question. C'est là, il faut vraiment que je fasse plein d'armes, soit plein d'armes, soit plein de munitions. Parce que là, je vais jamais m'en sortir. Donc là, déjà, on est tranquille. On n'a plus qu'à retourner là-bas dans le bateau, on est tranquille, on a plus d'ennemis à battre. À combattre, je veux dire. Là c'est pour descendre. Et là il faut vraiment qu'on se bouge le cul. Parce que les alligators, en fait, dès qu'on retourne, ils sont plus furieux et ils sont plus efficaces que d'habitude. Donc il faut faire gaffe. Oh oui. Oh là là. C'est pas en 3D, mais si c'était en 3D là, j'aurais flippé ma... Flippé sérieux. Bon allez, tu viens, tu bouges. Allez. Allez, hurry, 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 hurry up! Bouge ta face, pardon! Allez! Hurry! Roger! Voilà, on y go. Il nous reste plus que deux endroits. Deux endroits. Ou un. Ouais. J'adore me percuter les murs, c'est gratuit. Alors il y en a un là. Il en reste encore
de ici et là-bas. Ici c'est l'endroit le plus chiant je crois. Ouais, puisqu'il y a des ennemis partout. Voilà, elle c'est pour elle, j'en ai pas besoin. Voilà. C'est des informations, on a besoin de savoir ça. Bon, ici il y a des munitions donc je perds un peu de temps. Il y a un coq. Je perds un peu mon temps sur ça. Parce que là, ça va être utile vu que j'ai beaucoup d'ennemis qui vont arriver. Et j'ai vraiment besoin de tout. De toutes les possibilités. Et toutes les armes possibles que j'ai capacité, meilleure capacité, parce que là j'ai jamais arrivé face à autant d'ennemis. Ça va être super simple de prendre le truc, mais trop simple. Alors, et après, il y a plein d'ennemis qui arrivent vers vous, et après, ça va moins devenir intéressant. Ouais, juste là, le truc, c'est un peu vous voyez, un peu prématuré direct. Il y a quelque chose. Quelque chose là-haut, voilà. Et c'est elle qui va récupérer la petite babiole. Voilà, et là il y aura plein d'ennemis. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein. C'est pour ça qu'en fait que je vais m'enfuir. Parce que là, voilà. Alors c'est pas ça, c'est que si vu que j'ai plus beaucoup de munitions, avec les trucs que j'aurai, les armes et trucs du genre, je m'achèterai d'autres armes et d'autres munitions et tout. Et vu que j'ai perdu, j'avais fait même au niveau professionnel, j'avais fait le jeu. Mais sauf après, j'avais laissé tomber parce qu'en fait, j'avais formaté la console et après, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et après, j'ai pu rejouer au jeu depuis, ben, depuis que je vous le présente, je vous le commente. J'avais plus rejoué. J'ai 41% de trophées par contre, parce que les trophées ne disparaissent pas, ce qui est assez pratique. Vu que c'est relié à Internet, au PSN. Par contre, juste par sécurité, avant d'aller là-bas, on va aller là-bas. Parce que je trouve ça bizarre qu'il y a un tout petit endroit là-bas. Voilà, il y a un endroit juste là, j'aimerais bien... Pardon. J'aimerais juste savoir ce que c'est. Est-ce qu'il y a vraiment un trophée ou un trésor ou un truc du genre dessus? Il doit bien avoir un petit quelque chose. On n'est pas venu pour rien. Enfin, j'espère. Hop là. Oh non, il y avait bien un trésor, mais pas de tablette. Ok, il n'y a pas de zombies. Voilà, voilà. Un peu de tranquille. Je recharge. Voilà, j'ai une petite mitraillette, j'ai une munition. Voilà. Je me prépare au sens propre du terme. Bon, le jeu intéressant. Un peu moins fort que les autres précédents. Sauf j'aime bien pas perdre dessus du temps avec ça parce que. C'est genre de petits détails qui met des années et des jours de trucs. Si on ne dépêchait pas à le faire, on n'allait jamais le finir. Alors le mieux, c'est qu'on finisse tout. Donc voilà, j'ai tous les blocs. J'ai plus qu'à... Voilà. Et de 1. Ça m'étonne, on doit le remettre à chaque fois. C'est saoulant. Et le quatrième. Voilà. Et là, on peut open. Voilà. Ouais, j'ai fait ça plutôt rapidement, même pas une demi-heure. Avec Marcus et Edward Ashford, sponsor fond de l'entreprise pharmaceutique Umbrella dans... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de finir. D'ailleurs, il y a des zombies. Mais je sais pas si l'épisode sera terminé. Soit il faut que je termine l'épisode trop rapidement. Oh, ici, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, des cauchemars là. Oh là là, j'ai fait des cauchemars ici. J'ai pas fait des cauchemars, hein, mais en mode professionnel, j'avais galéré ici. Je m'en souviens encore.
Il fallait. En fait, l'objectif c'est qu'on ouvre là-bas. J'ai vu un truc là. Wow! C'est quoi ça? Oh, ne me dis pas qu'elle peut pas prendre le truc. What the f... Voilà ces ennemis dont je vous parlais tout à l'heure. Là j'ai mis une mine. Voilà. 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 Qui va me rendre un peu furieux, c'est qu'après avoir tué ses ennemis, il n'y a plus d'ennemis, donc allez crève. Elle va s'occuper des autres, moi je m'occupe de lui. Là je suis au sniper, attends. Ah je l'ai même pas touché. Non. Lui m'a sauvé la vie. Non, non, attends, ils sont sérieux. Increvable. Mère, oui, c'est bon, voilà. Arrête, je sais pas combien de... Débarrassons-nous des derniers. Moi je t'aide. Voilà, comme ça on est plus préoccupé par les ennemis. On n'a plus d'ennemis à battre. On a tout fini. C'est un peu bizarre, mais on a réussi à tuer tous les ennemis. Enfin. À tuer tous les ennemis. Un truc que j'avais oublié, c'est qu'il faut monter là-bas. C'était bien plus pratique quand j'avais balles illimitées. Que je pouvais faire ce que je voulais. Que je tirais n'importe où quand je voulais. Voilà. Voilà. Et là il faut attendre que ça se finisse parce que là ça met du temps. Il faut que ça se déplace. Et là si on lâche, on fait relâcher.
Elles disparaissent. Voilà. Donc là, j'ai foutu la main. Voilà. Bon, vous voyez l'objectif, c'est là-bas. Et normalement, ça doit être la fin du niveau. Bon, il y a des trésors, il faut pas oublier parce qu'il y a tellement de trucs à acheter dans l'équipement. C'est pratique, il faut prendre tous les trésors. Je vous le conseille, prendre tous les trésors dans le jeu. Comme ça, après, vous avez plus facilement des armes et après, acheter tous les équipements qu'il faut car c'est utile. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est ça. Tous les trésors, les munitions et tout ce que vous avez, c'est super important. Très important, vous perdez quelques temps, perdez quelques minutes par rapport à ça, mais au moins quand vous l'avez, vous êtes... Voilà quoi, il faut prendre ça en compte. Il faut que je descende. Il faut qu'on descende. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. On reprend encore des munitions. Non, y a pas, c'est bon. Bon bah, ça suffira. Ouais, y a plus. Oui, il faut que j'aille déjà. Au point, je sais très bien ça, mais bon. Je sais plus par où il faut passer. Elle est là-bas. Ah, c'est bon, c'est là. J'avais pas fait gaffe. Moi qui aime bien faire des épisodes de 15 minutes, 20 minutes, c'est trop long. Parce que là, c'est 27 minutes déjà. Il me semble que ça a l'air d'être fini là. Voilà, le chapitre terminé en 30 minutes. Ouais. Un petit A. J'ai pas été tué une seule fois donc c'est pratique. Voilà, on a un dossier. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez commenter, aimer la vidéo. Et bien sûr, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous aimez bien mes vidéos, un petit commentaire. Et merci aux gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent quand même mes vidéos. Donc merci d'avoir passé du temps, quand même c'est presque une demi-heure. Donc merci beaucoup, portez-vous bien, ciao.